Quand on parle d'abondance, souvent on pense à l'argent, à l'abondance matérielle. Or, ça, ce n'est qu'une partie de l'abondance. L'abondance, c'est en fait le fait d'avoir tous ses besoins qui sont comblés. Et le fait qu'on ne vive aucun manque, en fait. Et donc, l'abondance, c'est aussi bien matériel que ça peut être l'abondance sociale, l'abondance en amour, l'abondance dans le milieu professionnel, l'abondance dans la qualité de ses relations. Et donc l'abondance, c'est quelque chose de très très vaste. Et quand on arrive dans un état où on ne manque plus de rien parce que tous nos besoins sont assouvis, je parle des vrais besoins en fait, je ne parle pas des besoins de l'ego qui nous dit il faut toujours une voiture plus grosse, il faut toujours plus de ceci, plus de cela, hein, faisons attention, mais vraiment ce dont on a besoin réellement pour mener une vie heureuse. Et donc, je vais vous livrer dans cette conférence les trois clés qui, selon moi, favorisent la circulation de l'énergie dans tous les domaines de sa vie et donc mécaniquement favorisent l'abondance. C'est une véritable bénédiction parce que cette retraite forcée permet de se retourner vers soi et ça va vraiment nous pousser dans nos retranchements. Pour certains, ça va faire émerger des questions et j'ai envie de dire, ça favorise énormément l'évolution. On apprend à lâcher prise et ça va faire émerger quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est très très positif et ce n'est qu'un catalyseur de l'éveil global des consciences, ce coronavirus.